Mesdames et messieurs, voici venu du box numéro 5 le plat de viande de l'équipe du Brésil. Ladies and gentlemen, welcome out the meat plate from Team Brazil. Mais où sont les Brésiliens? Ah ouais, ils sont en haut. Where are the Brazilian supporters? Alors que dans les premiers box, on est déjà en train de ranger, de faire du nettoyage. Joseph, tout se passe bien? Impeccable, ça se déroule bien. On est bien contents. Font... Le Brésil. Et en plus de ça, ils font du bon boulot. Alors. Une c'est mosaïque de filets de bœuf et de queue de bœuf au cresson. Avec un os moelle au cœur de palmier. Avec une brandade de bœuf au fromage de catupiry. Croquant de banane aux légumes. Avec une émulsion de kumaru. Crémeux de vitelotte au cèpe et au pied bleu. Une sauce aux épices de Brésil et aux truffes. So what we're looking at here from Team Brazil is a fake marrow bone of heart of palm with duck liver and small brandade. Of a certain kind of cheese. There's a crispy banana with surprise vegetables and kamaru nuts. That's in an emulsion. There's a creamy violet potato ball. Régis, il y avait une liste de produits dont tu nous as parlé tout à l'heure. Une liste de produits brésiliens. Est-ce que tu pourrais nous les détailler à nouveau? Parce qu'il y avait des choses assez étonnantes. Oui, j'arrive, Vincent. Okay, I have a bit of a different write-up here. So it's an Irish beef. This is the Brazil meat dish. The Irish beef fillet mosaic with oxtail and watercress, Brazilian spices sauce with truffle. They also have a crispy banana surprise with vegetables and kamaru nuts emulsion. So it looks like we're getting close to seeing a fish dish come out of kitchen number 9 for Canada. Je voulais vous redire un petit mot des produits brésiliens parce que ils sont venus avec de la cachaça, ils sont venus avec des cristofines, ils sont venus avec des piments bec d'oiseau, ils sont venus avec leurs graines assez particulières, du tapioca également, pour faire les os à moelle en cœur de palmier. Des fromages catupiry, qui est un fromage frais, un fromage crémeux, un peu la vache qui rit du Brésil. Des croquants en banane avec de l'émulsion de kumaru, cette racine de kumaru qui donne une farine assez gélatineuse. Des vitelottes, des pieds bleus, mais pour les champignons en l'occurrence. Sauce aux épices brésiliennes. Là, on a vraiment un aperçu des goûts brésiliens tels qu'ils ont été présentés à notre jury de dégustation pour le plat de viande et le plat de poisson.